Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Comment est-ce que tu dois détruire l'ego d'une femme? Tu comprends un peu? Comment est-ce que tu dois détruire l'ego d'une femme? Il faut que tu comprennes que dans le dating moderne, bon, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Dans le dating moderne, c'est plus comme en 1980. Où les femmes, elles appréciaient quand un homme vient vers elles, il lui montre qu'il apprécie. Toutes les femmes apprécient ça, même les femmes modernes apprécient ça. Mais il faut que tu comprennes, les femmes modernes ont beaucoup d'options. Elles ont Tinder, elles ont TikTok, elles ont Instagram, elles ont Facebook, elles ont toutes sortes d'applications. Et comprends que sur ces applications et tout là, c'est fait pour que la femme soit poursuivie. En vérité, ces applications-là, c'est fait pour que la femme soit poursuivie. Tu vois? Parce que sur, comment on appelle ça? Sur TikTok, sur Facebook, sur tant. Quand toi, tu es là, personne, sur 100 femmes, si tu n'es pas un gars, tu as la popularité, si tu n'es pas un gars, tu as de la valeur, tout, tout, tout. Il n'y a pas de femme qui va t'envoyer un message. Tu n'es pas non limite, hein? Tu comprends un peu? Il n'y a pas de femme qui va t'envoyer des messages ou bien tant, tant, tant. Mais les femmes, si c'est une go, elle est 5, 6, 7, 8, frère. Elle peut avoir au moins 50 personnes par jour qui lui envoient des messages. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la go de la femme qui est une 5 sur 10, une 3 sur 10, elle va commencer à penser parce que quoi? Les gens poussent son ego. Elle va commencer à penser que non, elle est Cendrillon. Elle va commencer à penser que non, elle est Alicia Keys. Donc quand elle te rencontre, la majeure partie du temps, elle va se jouer les femmes qui sont dangereuses. Elle va se jouer les femmes qui sont dangereuses. Et si elle est belle même, c'est encore plus dangereux. Tu comprends un peu? Parce que les femmes qui sont les plus belles, c'est elles que tu dois traiter comme si elles n'étaient rien même. Les femmes qui sont belles, c'est elles que tu dois traiter comme si elles n'étaient rien. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Il y a les femmes qui sont belles, mais elles sont cool avec toi. Vous vous parlez bien, il n'y a pas de bêtises, tout, tout, tout. Elles, ça roule. Mais comme je connais les femmes, la majeure partie du temps, quand elle est belle, elle pense qu'elle est quelque chose. Il faut que tu agisses comme moi. Quand elle les regarde pas. Bon? Faut pas leur donner ton attention. Faut les priver de ton attention. Faut faire comme si elles n'existaient pas. Tu comprends un peu? Fais comme si elles n'existaient pas. Fais comme si tu ne les connaissais pas. Fais comme. Ne regarde même pas où elle va. Ne regarde même pas dans sa direction. Le sens de sa direction. Ne regarde pas là-bas. Tu comprends un peu? Ne regarde pas là-bas. Parce qu'une seule chose, une chose qu'elle essaie, et dont je suis convaincu, et dont je suis certain, c'est que l'attention, c'est la monnaie des femmes. L'attention, c'est la monnaie des femmes. Même quand tu es vilain, même quand tu n'es pas beau, une femme que tu ignores. Et ça dépend de ta manière d'ignorer. Il faut que dans ta manière de l'ignorer, sache que tu as de l'attitude. C'est parce que vous ne savez pas faire ça. Dans ta manière de l'ignorer, il faut qu'elle sente que lui, il a de l'attitude. Lui, là, ce n'est pas le genre de personne. Même si tu n'es pas beau. Bon, même si tu n'es pas beau, si tu as un certain contrôle sur ton attention, si tu as un certain contrôle sur la manière dont tu parles aux femmes, si tu as un certain contrôle sur ta personne, frère, tu peux faire les plus belles femmes seront à tes pieds. Réel. Tu peux faire les plus belles femmes seront à tes pieds. Il y a des gens qui disent, oui, l'argent est important, mon frère. L'argent est important, mais un homme qui a du game, il est puissant. Clé. Un homme qui a du game, il est puissant parce que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils les voient ici m'envoyer des messages pour me dire, ça va pas, il n'a pas de game. Il n'a pas de game. Donc les femmes qui ont un go ego, il faut que tu les traites comme si elles n'existent pas. Il faut que tu les traites comme si elles n'existent pas. Parce que la majeure partie du temps, elles ont tendance à te bait. Elles ont tendance à faire quoi? À t'appâter. À te faire penser que non, elle est intéressée. Et à un certain moment, elle va commencer à prendre ses distances. Pourquoi? Pour te mettre dans la liste des personnes qui lui donnent l'attention gratuitement. Montre-lui même que tu ne veux même pas causer avec elle. Montre-lui même que tu ne veux même pas causer avec elle. Et il faut que tu comprennes, tu es avec une femme dans ton travail. Écoute bien, bro. Tu es avec une femme dans ton travail. Vous êtes ensemble, tout, tout, tout. Tout le monde la poursuit, tout, 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 tout. Quand tu la vois, il faut lui dire que non, toi, tu me te vois comme ma soeur. Mets-la dans la friend zone. Mets-la dans la friend zone. Ça, c'est la psychologie inversée des femmes. Va lire le livre. Mets-la dans la fin de zone, fais-lui faire comprendre que non, toi tu me rappelles ma petite soeur, puis traite-la comme ta petite soeur, traite-la comme ta soeur, traite-la comme une amie, traite-la comme quelqu'un dont tu ne veux pas, la go que tout le monde veut au travail, la traite, dis-lui que non, oh, toi tu es ma soeur, et puis regarde comment elle va chercher à devenir ta copine, ça marche à l'envers, réveille-toi bro. Bon, ça marche à l'envers quand tu lui dis ça. Parce que le moment où tu mets des barrières, l'être humain a une tendance bizarre à être attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. L'être humain a une tendance bizarre à être attiré par ce qu'il ne peut pas avoir. Donc, quand tu lui dis directement que
tu es ma soeur. Dans sa tête, elle se dit, mais lui là, il pense que quoi? Il pense que quoi? Tout le monde me veut. Ceux-là, ils me veulent. Tout. Et lui, il dit que non, je suis sa soeur. Il va me dire l'autre. Il va me dire quelque chose d'autre. Donc, elle va tout faire pour te séduire. C'est en ce moment-là que quand elle arrive au travail, elle va commencer à saluer tout le monde. Mais elle ne va pas te saluer. Mais elle ne te salue pas. Hein. Mais elle roule ses fesses devant toi pour t'attirer. Reste serein. Toujours. Reste serein et il ignore là. L'attention, c'est puissant. Si les hommes commencent à mettre un certain prix sur leur attention, si les hommes commencent à mettre un certain contrôle sur leur attention, je te promets que toutes ces femmes qui font des bêtises sur l'internet et tout là, ça va s'arrêter. Bon, ça va s'arrêter. Quand elle poste les photos, c'est passé, il y a les simples dans les commentaires qui viennent lui dire « Oh, tu es belle. Oh, tu es tant qu'ils elles arrivent à penser que non, elles sont trop importantes. » On n'a pas dit que les femmes ne sont pas importantes. Nuance. On n'a pas dit que les femmes sont pas importantes. Tu comprends un peu? Mais il y a des femmes, comme je t'ai dit, elles ont un gros ego. Ignore-les. Ignore-les comme un demi-dieu. Je t'ai dit de les ignorer comme si elles n'existaient pas. Ignore-les comme si elles ne sont pas dans la pièce. Ignore-les. Bonsoir, tu es indifférent. Indifférent. Quand je dis indifférent, c'est indifférent. Ça ne veut pas dire que tu ne causes pas. Ça ne veut pas dire que tu es, comment on appelle ça, tu es mal poli. Ça veut dire que je ne te vois pas. Ça veut dire que si sur mon téléphone, ça veut dire que ce que les autres voient en toi, ils ne voient pas. Et c'est le jeu que la femme aime bien faire. Pour ça qu'elle vous dit, quand tu es un homme, tu es populaire, quand tu es un homme, tu es beau, quand tu es un homme, tu as du statut. Vous n'avez jamais remarqué. Si tu es un homme, tu es réellement imposant, tu es réellement beau. Tu vas rentrer dans une pièce et les femmes qui vont te remarquer la première fois, quand on voit que lui, il est beau de loin, on fait comme si elles ne l'ont pas vu. Pour ne pas booster ton ego. Pour ne pas booster ton ego. Et dans ce cadre-là, pour briser l'ego d'une femme, il faut être un miroir de sa propre attitude. Pour briser l'ego d'une femme, il faut être un miroir de sa propre attitude. Parce que si tu as un ego, c'est parce que tu penses que tu es quelqu'un. Moi, je vais agir comme ceci, quelqu'un. Et on se regarde. Et quand tu commences à miroiter, tout ce que vous demandez de faire sur ma chaîne, les gars, je vous promets que c'est ce que les femmes nous font. Tout ce que vous demandez de faire sur ma chaîne, je vous promets que c'est ce que les femmes nous font. Une femme, elle te plaît, tu lui parles, un moment, elle commence à faire des bêtises. Pourquoi maintenant, nous, on doit attendre? Parce qu'elle sait pertinemment bien que quand on va commencer à se parler, à un moment, tu vas prendre tes distances. Avant que ce moment-là va arriver, prends mes distances. Avant que tu vas commencer à faire comme si tu ne m'as pas vu, moi, je ne t'ai pas vu. Tu comprends un peu? Avant qu'elle vienne rentrer dans la salle de sport et elle va faire comme si elle ne m'a pas vu, moi-même, elle est déjà vue de loin et elle fait comme si elle n'existe pas. Et ça la trouble. Remarque quelque chose et fais cette expérience-là. Tu es dans une rue et une belle femme qui vient. Si tu la regardes, elle ne va pas te regarder. Si tu la regardes pas, tu regardes en haut, elle va te regarder. C'est comme ça marche. Fais cette expérience-là aujourd'hui. Ce que tu ne fais pas, elle va te faire. Elle va te faire, c'est tes promesses. Si tu veux, je suis gentil, non, je ne vais pas jouer, elle va jouer. Bon, elle va jouer. Même les femmes avec lesquelles elles vont te dire non, on est assez mature. Si un homme me plaît, ça c'est les phrases préférées. Si un homme me plaît, pourquoi on a besoin de jouer? On est grand maintenant. Tu me plais, ça colle, on se met ensemble. Elle va te dire ça la première semaine. Elle te garantit que lundi prochain, elle va commencer à jouer, bro. Hello. Lundi prochain, elle va commencer à jouer. Parce que les femmes, ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Les tests des femmes, il faut que vous compreniez, les tests des femmes, la majeure partie du temps, c'est inconscient. La majeure partie du temps, c'est inconscient. À un moment, la femme va prendre ses distances, elle va dire, attends, il va voir ça s'il a réellement confiance en lui. Attends, il va voir s'il a réellement confiance en lui. Et elle va prendre ses distances. Et qu'est-ce que Lazare le bêta va faire? Mais est-ce que je ne peux pas me confesser? Est-ce que si on ne fait pas ça, c'est un jeu pour elle. C'est un jeu pour elle. Et plus tu t'en fous, plus la femme ne comprend pas. Plus tu t'en fous, plus elle prend ses distances. Et elle espère revenir quand elle veut. Et quand elle revient, tu n'en as rien à faire, tu ne lui parles plus. Plus elle commence à te respecter. C'est comme ça que tu brises son ego. Plus vous commencez à parler. Et la première fois, vous êtes bien. Écoute bien, elle te dit quelque chose. Et retiens bien. Retiens bien ce game-là et ne l'oublie jamais, bro. Tu rencontres une femme. Écoute bien, bro. Tu rencontres une femme. Et peut-être que tu l'envoies dans les coins. Tu as investi. Peut-être vous êtes allé vous amuser, tout. Et la femme voit que l'homme a investi. Tu comprends?
L'homme a investi, il m'envoie dans un bon coin, tout. Il m'envoie des petits cadeaux, tout. Ça ne veut pas dire que tu es un bêta, tu comprends un peu? Tu lui envoies des petits cadeaux, tout. À un certain moment, la femme va se dire quoi? Vu qu'il a investi, et c'est ça que les hommes ne comprennent pas, vu qu'il a investi son argent, vu qu'il a investi son temps, vu qu'il a investi peut-être ses émotions, laisse-moi, je vais jouer un peu à un jeu de souris, je vais fuir pour voir s'il va me poursuivre parce qu'il a investi, il attend un retour sur investissement. Et c'est ce qui fatigue les hommes. Comme tu as investi, comme peut-être tu l'as envoyé en voyage, comme peut-être tu l'as envoyé dans tel endroit, comme peut-être tu as fait ça. Donc tu vois que non, tu dois poursuivre. Non. Dans ce cas-là, c'est là que la femme revient réellement à toi et commence à comprendre que non, lui, il n'est pas comme tous les hommes. Parce que tu lui montres que l'investissement qu'elle fait, c'est moi et cher mon argent. Mes émotions, ça m'appartient. C'est moi qui ai mis ça sur toi. Et il faut partir ça. Il y a beaucoup d'argent encore pour dépenser. Yeah. L'argent qui vient, va ça. Parce que je vous dis, le moment où tu investis sur une femme, elle commence à prendre ses distances pour voir si tu attends un retour sur investissement. Plus tu lui montres que non, c'est, l'argent, c'est quoi? C'est moi qui cherche mon argent. Va ça. Je voulais te faire plaisir. Je t'ai envoyé en voyage juste pour te faire plaisir. Juste pour te faire plaisir. C'est pas va ça. Regarde comment elle revient comme un boomerang qui n'a pas de papa. Tu comprends un peu? Et comprenez ça. Quand tu investis, pour ça, elle vous dit, n'investissez pas trop. Investis le strict minimum. Investis un peu pour voir. Parce que la femme a tendance à penser, peut-être tu as beaucoup d'argent et tu l'as invité dans un bon coin. Elle pense non, tu as trop de trucs. Je ne sais pas. Elle pense que peut-être tu as cotisé. Tu as dû économiser pour l'envoyer dans ce coin-là, tu vois un peu. Pourtant, c'est même pas 1%, mais 0,5% de ton argent. Tu vois un peu? Donc, la femme se dit, c'est tellement trop. Elle ne sait pas que même tu peux investir ce 4%-là, c'est une autre femme. Tu comprends? Et là, maintenant, elle commence à revenir. Écoutez bien, quand tu investis, elle revient. Il ne faut pas trop investir. Investis le strict minimum pour voir si elle m'apprécie vraiment. Et si elle t'apprécie vraiment, qu'elle commence à jouer à des jeux d'ego, brise son ego. Brise son ego, montre-lui que tu ne la veux plus. Et ça marche. Elle va te... C'est qu'elle vous dit là, même si la femme regarde les vidéos et que tu fais, ça va marcher. Même si elle a un gros ego, elle ne va pas te dire que tu m'apprécies, tout, je t'apprécie. Elle ne va pas revenir parce qu'il y a des femmes qui ont un gros ego. Tu comprends un peu? Malgré que tu as brisé son ego, elle ne va pas revenir vers toi. Elle ne va pas revenir. Ce genre de femme, il faut apprendre à les laisser aussi. On n'est pas obligé de dealer. On n'est pas obligé de dealer. Si aujourd'hui, on a commencé à faire quelque chose, et à un moment, tu penses que non, tu es trop important et que tu veux partir. Si malgré toutes ces techniques-là que tu fais, elle ne revient pas, il ne faut même pas l'attendre. Il ne faut même pas l'attendre. Si elle ne revient pas, qu'elle reste là-bas. Et quand elle va revenir, il ne faut pas la reprendre. Il y a des femmes que tu ne dois pas reprendre. Il faut que tu comprennes qu'il y a des femmes, leur pire punition que tu dois les faire, c'est de ne pas les toucher. C'est de ne pas les toucher. Et je vous donne un deuxième secret encore. Il y a un certain niveau de game. La femme, souvent, tu lui fais des cadeaux. Écoute bien, peut-être tu as une amie dans le quartier, tu as une amie à l'école, à qui, par qui tu n'es pas intéressé. Mais tu arrives à, peut-être tu es un homme, tu es gentil, tu as la main, tu donnes aux gens, tant, tu peux lui faire des cadeaux, elle te demande telle chose, tu lui donnes, sans rien attendre en retour, tu veux juste lui donner. Je te garantis que cette femme-là va commencer à être fond de toi. Pourquoi? Parce que la femme a tendance à penser, quand un homme fait du bien à une femme, il attend un retour du sexe. Et comme tu n'as pas l'idée, la tête à ça, toi tu veux lui faire du bien parce que les gens peut-être apprécient son énergie, c'est une femme qui te plaît et tout. Elle va se dire, mais attends, il me fait tout ce bien-là et il n'attend rien en retour. Si je suis son ami et il me fait tout ce bien-là, imagine si sa copine, qu'est-ce qu'il lui fait? Je le veux. Je le veux. Tu comprends un peu? Et elle va commencer à, ta meilleure amie dont elle te parle là, elle va commencer à faire des trucs bizarres pour rien comme ça. Tu vas voir que vous êtes en palabre. Elle crée des histoires. Vous faites des palabres. Tu brises son ego, tu l'ignores. Plus d'attention. Elle fait des histoires, tu disparais. Elle fait des histoires, tu supprimes son numéro. Quelle sera des meufs? Pourquoi vous avez peur de perdre les femmes? Quand tu n'auras pas peur, le meilleur moyen de garder une femme, c'est de lui montrer qu'il faut partir. Il y a des femmes là, tant que tu ne lui as pas montré que si prêt à te perdre là, elle ne va jamais t'aimer pour de vrai. Bro, le cerveau des femmes est retourné. Elle ne va jamais t'aimer pour de vrai. Tant que ça ne marche pas, poursuivre ne marche pas.
poursuivre marche pas. Lui montrer que non, je t'aime, je vais tout, ça marche pas. Ça veut pas dire que tu dois pas lui montrer que tu l'aimes. Mais si elle commence à faire des bêtises, on ne récompense pas les mauvais comportements. T'as compris? Je vous aime mon ensemble, les gars, ton, buvez l'eau.